Malnutrition infantile au Vietnam. Projet boîte de lait pour bébé. Nous savons tous que la nutrition et plus précisément l'allaitement chez les nourrissons et enfants en bas âge est très importante car cela leur apporte les nutriments nécessaires à leur bon développement. Toutefois, il arrive que certaines mères ne soient pas en mesure d'apporter à leurs enfants le confort nutritif dont ils ont besoin. Et ce, pour plusieurs raisons. Au Vietnam, plusieurs femmes et mères n'ont pas la possibilité d'allaiter leurs enfants et celles-ci ne peuvent pas non plus leur offrir une nourriture de substitution adéquate. Cela est dû à leurs conditions d'extrême pauvreté. La pauvreté est un fléau qui mine sérieusement les populations vietnamiennes vivant dans les zones rurales et même dans les bidonvilles des grandes villes. Elle touche particulièrement les personnes les plus vulnérables, notamment les jeunes mamans, qui, étant malnutries, ne peuvent pas allaiter leurs enfants. Celles-ci ne peuvent pas non plus offrir du lait de substitution à leurs enfants car n'ayant pas les moyens nécessaires. Nombreux enfants âgés de 6 à 24 mois se retrouvent ainsi atteints de malnutrition, ce qui a des conséquences graves sur leur santé. La malnutrition infantile est permanente dans les zones rurales et les bidonvilles des villes du Vietnam. À cause du manque de nutriments nécessaires à leur bon développement, la majorité des enfants en bas âge sont sujets à des pathologies graves telles que les maladies chroniques, les malformations graves et même la mort. Face à ce constat déplorable, Espoir pour un enfant met sur pied le projet boîte de lait pour bébé, qui consiste à distribuer des boîtes de lait à ces mamans qui ne peuvent pas allaiter et qui n'ont pas les moyens d'acheter du lait de substitution. Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous. Faites un don. Nous rappelons que nous délivrons un reçu CERFA déductible de votre don à 66%. Vous souhaitez nous contacter? Vous pouvez le faire via notre contact espoirpourunenfant@gmail.com ou via notre site web www.espoir-enfant.com ou via nos pages de réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Nous vous invitons également à visionner nos vidéos YouTube. Merci.